Britney Spears en a vraiment ras-le-bol. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est sans arrêt la cible des mauvaises langues qui n'arrêtent pas de dire qu'elle est photoshopée dans toutes ses apparitions. Pour mettre définitivement fin aux rumeurs, la star a décidé de faire les choses en grand. Britney Spears revient de très loin. Il y a quelques années, elle avait presque tout perdu, y compris la garde de ses deux petits garçons. Mais elle a réussi à remonter la pente, non sans mal, et à se refaire un nom dans le milieu de la musique. D'ailleurs, elle est à nouveau sur scène depuis déjà pas mal de mois et elle cartonne à Las Vegas avec les tubes de toute sa carrière dans le spectacle intitulé Piece of Me. La jeune femme a d'ailleurs décidé de vivre à Las Vegas et mène une petite vie bien tranquille et bien rangée. Ses déboires et ses abus en tout genre ne sont qu'un mauvais souvenir, elle est vraiment repartie de zéro. Sauf qu'il y en a qui sont toujours là pour lui rappeler ses mauvais souvenirs et surtout pour mettre sa parole en doute. Déjà lors de la sortie de son clip Work Bitch, nombreux sont ceux à avoir critiqué la chanteuse, affirmant qu'elle avait été retouchée et que ce n'était pas son véritable corps qui apparaissait à l'écran. Une rumeur qui a fait de la peine à l'artiste, mais qui a décidé de ne rien dire. Sauf que cette fois, elle vient de poster un cliché de ses vacances sur les réseaux sociaux et tout le monde a pensé qu'elle était photoshopée. Ras-le-bol, la Miss a décidé de réagir. Alors qu'a-t-elle fait pour clouer le bec à tous ceux qui ne la croient pas? Eh bien, elle a tout simplement posté une photo d'elle sur son compte Instagram. Il s'agit d'un simple selfie qu'elle a pris elle-même devant un miroir. Ce cliché n'a absolument rien de professionnel et prouve juste une chose. Britney Spears a bel et bien retrouvé sa taille de guêpe et son corps d'avant. Elle n'a pas une once de graisse qui dépasse et apparaît svelte et musclée. Elle avait donc raison, ses nombreux concerts lui ont fait perdre du poids et on ne peut qu'admettre qu'une chose, elle a retrouvé la ligne et n'est absolument pas photoshopée. De quoi faire taire les mauvaises langues.